Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une journée spéciale, un grand jour J, pour deux principales raisons. La première, c'est la fête de mon frère qui a aujourd'hui 14 ans. Il y a exactement 14 ans, aujourd'hui j'étais à l'hôpital, mais la veille j'étais couchée chez ma grand-mère parce que ma mère a arrêté du travail. Puis je me rappelle que j'avais pleuré parce que j'avais comme vu ces niaiseux. J'avais genre 3 ans et demi, j'avais vu une affiche d'autobus scolaire dans le couloir d'hôpital, puis j'appelais. Je pleurais, j'ai dit à mon père que j'appelais. Bon, je sais pas, je m'en souviens plus. Mon frère a vraiment maturé, je trouve. Il a grandi. Je vais avoir 18 ans en janvier, il a 14 ans. On a quasiment 3 ans et demi de différence. C'est un grand jour. La deuxième raison pourquoi je suis si heureuse, c'est. Florence Pagny est en concert aujourd'hui, mais je peux malheureusement pas y assister. Mais je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais si c'est le cas, je vais lui souhaiter un très bon concert. Sur les réseaux sociaux. Alors, j'espère que vous allez aller voir sur sa page. Je l'ai écrit, mais c'est sur mon compte. Je l'ai écrit depuis mon compte personnel Facebook. Florence Pagny a écrit un livre. Traversé une dépression, un épisode dépressif majeur. Je l'admire pour ça parce que je sais qu'elle est forte, elle passe au travers, elle a vraiment beaucoup de courage. Puis j'ai juste rien à dire parce qu'elle a vraiment beaucoup de courage. Puis je lui souhaite de vraiment voir pour ça parce que je sais que je sais pas quoi. Parce que je l'ai vécu aussi, c'était pas si pire que ça. Enfin, bref, pour dire, c'est la fête à mon frère aujourd'hui, il a 14 ans. Non, je ne filmerai pas tous les événements, mais je voulais juste vous dire que je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je vais publier des trucs de la petite carte. Et si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up, dites-moi dans les commentaires. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, tout le monde. Au revoir.